Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire cette photo avec un accessoire que j'aime autant que je déteste. Dans cette vidéo, je vais te parler du snoot optique, ce truc qui ressemble à un bazooka. C'est un modeleur avec une lentille à l'avant dans lequel tu peux mettre des gobos, des formes quoi. Et du coup, ce modeleur va te permettre de projeter ces formes. Et ça, j'aime beaucoup. Ça te permet de contrôler la lumière à tel point que tu peux choisir la forme qu'elle prend. Pour la petite histoire, je suis équipé en Profoto, j'ai donc voulu prendre ce modeleur directement chez eux. Et à l'époque, il valait 1 600 €. Je me suis résigné et j'ai pris un modèle de chez Magmod qui est fait pour les flashs Cobra, mais qui vaut 100 €. Mais c'était très compliqué à inclure dans mes setups à cause de la faible puissance des flashs Cobra. J'ai donc décidé de manger des pâtes à rien pendant un bon moment et de prendre celui de chez Profoto. Et là, il était introuvable. J'ai carrément fait digit photo qui ont été faire leur fournisseur, aucun résultat. J'ai même rencontré la directrice France de chez Profoto en 2018 au salon de la photo, pas mieux. J'ai fouillé absolument tout internet. Oui, ces sites-là aussi, mais pas pour ça. Et je suis tombé sur un forum américain avec un post d'un mec qui avait le même problème que moi. Et parmi les réponses, il y avait un lien vers un équivalent sur le site Wish à 180 €. Et le voilà. Pour la photo du jour, on retrouve Thibaut sur qui j'ai braqué 3 sources. Un flash avec un bol et une gélatine violette dirigée au plafond afin d'illuminer la pièce entière. Un flash avec une boîte 60-90 et une grille d'abeille avec une gélatine jaune dirigée vers lui sur ma droite. Et un flash avec un snoot optique avec un gobo qui fait une ligne directement sur ses yeux. Je dois tout de suite te prévenir, c'est une vraie galère à utiliser. Le mien est un modèle sans marque, j'ai dû l'utiliser avec une bague d'adaptation Profoto et du coup, ça bouge un peu. Quand tu veux être très précis, c'est super chiant. Il bave un peu au niveau de la projection de la lumière, je pense que la lentille sur celui-là n'est pas de très bonne qualité. J'ai pu résoudre une partie du problème en mettant du gaffe directement devant. Et enfin, ça te bouffe une puissance considérable. J'utilise un B1X dedans qui fait 500 joules, si je veux que ce soit ma lumière principale, je dois le mettre à fond et shooter à f4 et 400 ISO. Du coup, je sais pas si je suis un peu maso ou incroyablement con, mais j'arrive pas à ne pas aimer ce truc. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.